Et le professeur Jafam Dongo répond à ses détracteurs au sujet de ses ordinateurs à polémique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a saisi l'occasion de la remise des diplômes aux étudiants en médecine et en pharmacie pour revenir sur les caractéristiques de ces ordinateurs en cours de distribution dans les universités au Cameroun. Jafam Dongo invite les détracteurs contestataires du cadeau de Noël du chef de l'État aux étudiants à retourner à l'école de l'apprentissage de l'outil informatique. Le reportage de Flavie. Jacques Famine Ndongo met à profit toutes les occasions qui lui sont offertes pour s'expliquer sur la question des ordinateurs à polémique. Le chancelier des ordres académiques a laissé de côté le motif de la rencontre du jour à Douala pour expliquer les caractéristiques des ordinateurs portables qui lui confèrent désormais une célébrité négative. Ils sont dotés d'un système d'exploitation Windows 10 de Microsoft. Et S et Pro 165 Office, toujours de Microsoft. Et cerise sur le gâteau, ce sont les ordinateurs portables de nouvelle génération. Durant près de 20 minutes, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu en haleine les ex-étudiants en médecine et le public venu assister à la cérémonie de remise des diplômes. Chaque phase de ces explications suscitait le rire auprès de ses interlocuteurs. Ils sont encore utilisés dans l'ancien système. Et donc ils opèrent une mutation copernicienne au passé de la vieille informatique. Dans cette même ambiance, le ministre...